Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans dans ce live. Alors attendez, donnez-moi 30 secondes. Hop, normalement c'est bon, je suis en direct avec vous et ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette rentrée. Alors je vais vous laisser vous connecter 30 secondes. Allez-y rapidement. Ceux qui sont présents pourront me faire éventuellement un petit coucou dans le chat pour que je puisse savoir que vous êtes avec nous et on va pouvoir commencer. Alors je vais juste basculer sur ma petite diapo. Je me suis prévu une petite diapo pour aujourd'hui, pour que ce soit le plus facile à suivre pour vous et que vous puissiez, en plus de ça, avoir le plan. Parce que mon but avec vous aujourd'hui, c'est de rester une heure. Donc c'est ce que je me fixe. Mais sachez que je me suis pas donné limite. J'ai libéré mon après-midi. Donc littéralement, si vous avez des questions, c'est peut-être le meilleur moment de les poser, en tout cas. C'est selon ma définition. Alors, comme je sais que les gens n'aiment pas trop attendre, on va commencer directement. Et de toute façon, si vous arrivez en retard, si les gens arrivent en retard, il y aura un replay, sera rediffusé. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, le but pour moi, c'est de vous faire une masterclass sur Calliope. On est le 10 septembre 2024. Si vous regardez cette vidéo qui n'est pas le 10 septembre 2024, c'est que forcément vous êtes sur un replay. Donc ça sert à rien de poser des questions comme si vous étiez dans un chat si vous n'êtes pas le 10 septembre 2024 et qu'il n'est pas 14h01. Le but pour moi d'aujourd'hui, c'est de vous dire, déjà de vous présenter comment va fonctionner la masterclass, parce que comme ça au moins vous saurez sur quel pied danser et que vous ne viendrez pas me dire oui, il se passe quoi maintenant. Le but après pour moi, c'est de vous parler des raisons de refus de Calliope que j'ai vues avec mon équipe et depuis ces 3 dernières années et qui continuent encore à exister. Et donc le but pour moi, c'est de faire en sorte que vous ayez toutes les clés en main pour que Calliope se passe bien. Ok? Et alors surtout, surtout, au-delà de ça, n'hésitez pas à poser des questions parce que troisième point, c'est de répondre à vos questions en live. Donc le but, c'est que vous les posiez dans le chat, ok? Et que moi, je les copie-colle sur ma diapo, comme ça vous pourrez voir des questions s'afficher. Alors, je regarde juste comment je peux copier-coller ce que vous mettez dans le chat en 2 secondes parce qu'on utilise hop, bougez pas. Hop. Tac, tac, tac. Je vois pas comment je peux copier les questions. Alors, je vais voir comment je vais faire. Donc, et ensuite, je vous parlerai de comment on peut avoir accès au replay. Et une fois que le replay est OK, eh bien, je vous montrerai éventuellement si vous avez besoin de me poser des questions en direct, comment nous contacter. Alors, premier point, du coup, sur comment on va se dérouler la masterclass. Déjà, première chose, pour pouvoir participer, vous allez avoir besoin d'un ordinateur, idéalement, parce que sur téléphone mobile, c'est moins facile. Et vous allez avoir besoin d'une web, et vous n'avez pas besoin d'avoir une webcam ni un micro parce que vous n'aurez pas besoin de prendre la parole. Ça va durer 1 heure, alors plus si affinité, ça va être animé par moi. Alors qui suis-je pour ceux qui me connaissent pas? Eh bien, tout simplement, je suis Leandro Lozaïque. J'ai fait une fac de droit, une fac d'administration économique et sociale, et ensuite j'ai créé après 3 ans en tant que commercial. J'avais pas du tout la formation commerciale, mais ça s'était bien passé lors d'un entretien. Et au bout de 3 ans, j'ai créé ma propre entreprise en 2010. J'ai créé mon propre centre de formation. Et depuis 2010, j'ai créé 3 centres de formation. Et je suis un expert en droit de la formation, en qualité Calliope, en marketing de la formation, sur comment on obtient des clients. Et je suis aussi certifié Calliope. Alors, petite chose. En fonction de l'outil que vous utilisez, il y a une zone de QR de questions ou pas. Donc, c'est idéalement utiliser les zones de questions pour poser vos questions. Et ce sera plus simple pour moi de tout retrouver. Alors, qui va profiter de ce live? Et c'est le dernier point avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Idéalement, ce live, il est destiné surtout aux coachs, aux formateurs, aux consultants, aux personnes qui vendent des formations professionnelles et qui cherchent à obtenir Calliope, qui n'ont pas encore Calliope. Donc, si vous avez Calliope, alors, idéal. Alors, oui, non. En fait, si vous avez Calliope, vous pourriez préparer votre audit de surveillance avec ce live, avec des éléments que je vais mettre en avant. Deuxième point, c'est pour les entreprises qui vendent des formations et qui veulent former leurs propres clients. Parce qu'en fait, c'est énormément de situations qu'on voit aujourd'hui chez nous où les entreprises viennent poser des questions, où les entreprises veulent lancer et former leurs propres clients. Donc là, justement, c'est le meilleur moment pour ça. Ensuite, et dernière personne à qui je pense que ça peut être vraiment intéressant, c'est les managers et les dirigeants qui veulent former leurs collaborateurs et donc créer un centre de formation interne pour leurs salariés. OK? Et donc, qui ont besoin de Calliope. Dans ces 3 situations, vous allez avoir besoin de Calliope
pour pouvoir vendre des formations professionnelles. Alors, petite chose très importante, j'ai envie de dire là, c'est un élément important, je vais le souligner en rouge parce que on n'y pense pas assez. J'en parlais avec une auditrice, et Calliope, et elle comprenait pas qu'on avait besoin de l'expliquer, mais c'est pas évident pour tout le monde. Calliope, ça sert uniquement pour la vente de formations professionnelles. Si vous ne vendez pas de formations professionnelles, si vous ne souhaitez pas que vos formations soient prises en charge par les fonds de formation, eh bien, Calliope, c'est inutile. C'est pour ça qu'il est très important de savoir exactement ce que vous faites. Et tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est des formations dont l'objectif est d'apprendre à quelqu'un à acquérir une compétence qui sera utilisée et utile dans le monde professionnel. Et non pas, très important, parce que ça, c'est un point que on fait pas attention, mais les formations professionnelles ne sont pas là pour la formation des personnes, pour leur loisir. Et là, c'est là où vous devez faire la distinction entre le loisir et ce qui sert à la formation professionnelle. Et donc, c'est là que c'est très important. OK? Donc, si ce que vous faites, c'est pour du loisir, ça touche pas la formation professionnelle et vous n'avez pas besoin de Calliope. Et si vous vendez des formations de loisirs, par exemple, j'ai eu l'occasion d'une personne qui nous demandait d'obtenir Calliope pour former les parents pour éduquer leurs enfants. Eh bien, en fait, il n'y a pas de fonds de formation pour ça. On ne peut pas utiliser son CPF pour ça. Et donc, ça ne sert à rien d'obtenir Calliope pour cette formation parce que l'utilisation de cette compétence, c'est pas professionnel. C'est dans un cadre. Alors, vous allez me dire, éduquer ses enfants, c'est pas du loisir. Ça dépendra toujours de l'opinion de chacun. Mais en tout cas, c'est pas considéré aux yeux de l'État comme étant professionnalisant. Donc, voilà. Alors, ça, c'était un point très important parce que c'est ce qui bloque aussi beaucoup les gens à Calliope parce qu'ils sont bloqués quand ils ne savent pas définir si leur formation est professionnelle ou pas, ou s'ils n'arrivent pas à adapter leur formation sous un angle professionnel, eh bien, ils sont bloqués à la toute première étape de Calliope qu'on va voir tout de suite. Donc, ici, ça, c'est un petit peu le parcours de Calliope. Je vous explique. Pour pouvoir avoir Calliope, il y a déjà deux étapes avant. La première, c'est d'avoir un statut juridique parce que vous ne pouvez pas obtenir Calliope sans avoir un statut juridique. Donc, après le statut juridique, vous pouvez avoir n'importe lequel. Une association, vous pouvez avoir Calliope. Une auto-entreprise, vous pouvez avoir Calliope. Une SARL, une ERL. Alors, me posez même pas la question de savoir si vous, votre statut juridique est bon ou pas. Si vous avez un numéro de SIRET, peu importe la forme de votre statut juridique, vous pouvez obtenir Calliope. Ensuite, la première marche, c'est d'obtenir le numéro de déclaration d'activité de formateur. Parce que ce numéro de déclaration d'activité de formateur, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'activer votre Calliope. Vous pouvez passer Calliope sans avoir un numéro de déclaration d'activité de formateur, mais votre Calliope sera en sommeil tant que vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité de formateur. Ce numéro de déclaration d'activité, il se demande à DRETS et vous pouvez le récupérer. En fait, c'est une déclaration. Il y a un petit dossier à transmettre avec les éléments qui vous correspondent et vous vous déclarez formateur. Et une fois que vous avez ce numéro de déclaration d'activité, ben, votre Calliope va s'activer. Si je vous précise cette notion de Calliope qui s'active, elle est vachement importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez passer l'audit, faire tout le processus Calliope sans avoir le NDA, mais en ayant le statut juridique. Okay, c'est le statut juridique, c'est la condition sine qua non. Mais vous pouvez, donc à partir du moment où vous avez un statut juridique, vous pouvez passer Calliope. Mais votre Calliope, tant que vous n'avez pas de NDA, il sera en sommeil. Donc, statut juridique, NDA, Calliope. Alors, ça dépend du statut que vous créez, mais c'est gratuit. Ça dépend du statut. Ça, c'est gratuit. Et Calliope est payant. Le certificateur vous facture la certification Calliope. Et ensuite, eh bien, quatrième étape, une fois que vous avez Calliope, eh bien, il y a l'étape... Alors, j'essaie de juste voir pour que vous arriviez à visualiser. Mais alors, en fait, il y a l'étape du CPF. Et l'étape du CPF, c'est que Calliope vous ouvre l'accès à tous les fonds de formation. Donc, je vais faire un petit truc, je vais faire une autre diapo. Hop. Ça vous ouvre. Sans Calliope, vous ne pouvez pas avoir accès aux OPCO, au pôle, à France Travail. En fait, vous êtes obligé d'avoir Calliope pour être éligible à ces organismes de financement-là. Sans Calliope, c'est impossible. Mais Calliope ne vous permet pas d'être éligible au CPF. Calliope est obligatoire pour être éligible au CPF. Donc, vous devez avoir Calliope, sinon vous ne pouvez pas être au CPF.
Mais vous, vous ne pouvez pas être CPF sans Calliope, mais avoir Calliope ne vous met pas automatiquement en CPF. Il y a une autre procédure supplémentaire où il faut vous inscrire sur le site EDOF du CPF. Et donc là, c'est l'étape suivante. Et alors pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'il y a après, eh bien, alors moi j'ai rajouté une étape qui est optionnelle, mais je pense que dans l'avenir, elle deviendra importante parce que beaucoup de personnes se retrouvent à donner des formations sans forcément de diplôme, sans forcément de preuve de leurs compétences. Et cette étape-là, qui peut se passer, ben, que je pourrais mettre, oups, excusez-moi, la souris est très sensible, je pourrais mettre cette étape entre les deux ici. Mais du coup, je préfère la mettre après. ICPF Pro, c'est une certification... Alors, je vais revenir en arrière. Calliope est une certification de processus d'entreprise. Voilà, ça, c'est très important parce que les gens ne visualisent pas ce point-là. Mais Calliope, c'est une certification de processus d'entreprise. ICPF Pro, c'est une certification de personne. C'est-à-dire qu'on va certifier que vous avez les compétences que vous dites avoir. Alors que Calliope, on va juste certifier que votre entreprise respecte un processus administratif. Donc ici, pourquoi ICPF Pro, ça peut être intéressant? C'est parce que si vous voulez pas faire une longue VAE, si vous voulez pas repasser des diplômes que vous n'avez pas encore, eh bien ICPF Pro, ça vous permet de certifier une compétence sans avoir à faire de la VAE, sans avoir à faire des diplômes. Par contre, il y a des différences par rapport à une VAE et à des diplômes, c'est que ICPF Pro, c'est une certification comme Calliope qu'il faut repasser à un certain rythme tous les 14 mois. Et qui est payante également. Donc voilà, mais ça permet à des gens qui n'ont pas le temps de passer une VAE ou en attente de la VAE, de pouvoir quand même avoir une certification qui certifie qu'ils sont experts dans leur domaine. Et après, bah, autre point, dernier point, c'est l'audit de surveillance de Calliope. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez Calliope, tous les 14 à 22 mois, il y a un nouvel audit où on vient vérifier que vous respectez Calliope, en fait, tout simplement. Et donc, pour ce point-là, j'ai fait une petite boucle, vous voyez, une petite boucle en rose. C'est qu'en fait, comme c'est un audit qui a lieu tous les 14 à 22 mois, en fait, vous avez Calliope, premier audit. Deuxième audit, vous avez un audit de surveillance. Troisième audit, vous revenez à un audit Calliope. Après, vous avez un audit de surveillance, puis après, vous revenez à un audit de Calliope. Et alors, au cas où, si vous vous posez la question, mais tous les audits sont exactement les mêmes, ça se passe exactement de la même façon. Un auditeur vient chez vous et il demande à voir deux choses. Un, il veut voir que vous avez envoyé les documents que vous deviez envoyer à votre client et que vous avez la preuve que vous les avez envoyés, point 1. Et point 2, eh bien, que les documents soient utilisés avec le client. Alors, c'est moi qui utilise le terme « utiliser » puisque ce n'est pas le terme officiel qu'on utilise, mais c'est plus simple à expliquer ça. C'est qu'en gros, si vous avez une fiche de présence, elle doit être signée avec votre client. Si vous avez un contrat, le contrat doit être signé. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui bloquent beaucoup de personnes par rapport à Calliope, c'est que les gens ne font signer aucun document, ils n'envoient aucun document par mail ou n'ont aucune preuve dans l'envoi des documents, ou alors les documents sont envoyés n'importe comment, dans n'importe quel timing, ou les noms des documents sont pas bons, enfin bref. Il y a toujours un souci sur les documents, sur ces deux points-là, et c'est en fait ça qui bloque beaucoup les gens au niveau de Calliope. Mais une fois que vous avez Calliope, bah, vous rentrez dans un cercle où bah, vous avez un audit tous les 14 à 22 mois en permanence. Donc voilà, sur le contexte. Et maintenant, la raison pour laquelle vous êtes venu, c'était de connaître les raisons de refus de Calliope pour vous prémunir de ça au cas où, si vous n'avez pas encore Calliope, et au cas où, si vous l'avez, mais que vous allez devoir passer un audit de surveillance, qu'est-ce que vous devez faire? Attention. Alors, juste avant que je commence sur ce point-là, n'oubliez pas de poser vos questions. Alors là, c'est peut-être pas ce que vous voyez, vous, sur votre écran, parce que vous n'avez pas du tout tous le même outil de live que vous pourriez avoir que moi. Mais si vous avez un endroit pour poser des questions ou discuter, n'hésitez pas à les poser, parce que après, on a fait le point sur ces éléments-là. Eh bien, je ferai le point avec vous sur les questions que vous allez pouvoir avoir en plus. OK? Donc, premier point très important, qu'est-ce qui vous bloque au niveau de Calliope? Alors, la première chose qu'on voit, une des choses qu'on voit chez nos clients et qu'on a, alors, nous, on l'a vu une seule fois, ce point-là. Chez nous, on a travaillé avec un client et que le client fait chez nous, mais on a vu régulièrement ce point-là avec d'autres clients, c'est de ne pas avoir le temps de finir l'audit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'auditeur, il est là pour un temps donné. Il a 8 heures à faire avec vous, 7 heures de travail et 1 heure de pause. Donc, si pendant ces 8 heures où il est présent, vous n'avez pas eu le temps de lui prouver tous les critères indicateurs de Calliope, eh bien, l'audit ne sera pas terminé et donc vous ne pourrez pas valider votre Calliope. Aujourd'hui, Calliope, c'est 32 critères.
32 indicateurs, excusez-moi, parce que 32 indicateurs, il y a regroupé dans 7 critères. Et vous avez 8 heures pour faire, mince alors, hop, excusez-moi, vous avez 8 heures pour voir les indicateurs et les critères qui vous incombent. Et si vous ne les faites pas dans ces 8 heures, eh bien, vous devrez passer à un autre audit. Alors attention, très important, parce que pendant très longtemps, cette notion de passer à un autre audit ne voulait pas dire qu'on, enfin, voulait dire qu'on repaye un audit complémentaire, mais en entier, mais non. Si vous n'avez pas le temps de finir l'audit, vous devrez repayer pour finir les heures qui vous manquent. Je vous donne un exemple. Vous avez fait jusqu'au critère 26 et il reste le critère 27, 30, 31, 32. Et en fait, vous n'avez pas besoin de repayer un audit entier, une journée entière pour finir ça, pour finir ces quelques critères. En général, le 31, enfin, ces critères-là se finissent en moins d'une heure. Donc, bah, en fait, vous allez repayer le passage d'un auditeur pour une heure. Et donc, vous ne repayez pas un audit en entier. Et ça, c'est très important à préciser parce que les gens, du coup, paniquent souvent pour cette notion-là où on a l'impression qu'on doit repayer l'audit, mais non, pas du tout. Vous ne repayez que les heures nécessaires pour finir l'audit. Mais ça, ça arrive. Et alors comment l'empêcher? Alors, comment ça arrive? Il y a deux raisons pour lesquelles ça arrive. La première, c'est que vous êtes tombé sur un auditeur qui prend tout son temps. Et ça, vous en avez plein d'auditeurs qui prennent tout leur temps. Et donc, comme les auditeurs n'aiment pas être pressés non plus, eh bien, le problème, c'est que si vous les pressez, ça risque de vous poser des soucis. On va voir ça juste après. Donc, premier point qui pose problème, c'est quand l'auditeur prend vraiment tout son temps et qu'il cherche à comprendre. Alors aussi, s'il cherche à comprendre, c'est parce que vous lui expliquez mal les choses. Et quand vous lui expliquez mal les choses, il va passer plus de temps. Et plus de temps, il va passer à comprendre les choses. Et moins de temps, il aura pour l'audit. Premier point. Et deuxième point, c'est vous qui avez mal organisé votre audit. C'est-à-dire, alors attendez, hop, je vais faire ça en off de mon côté, et je vais vous le faire apparaître juste après. Quand vous préparez un audit Calliope, vous avez... Ah oui, mince, je ne suis pas sur l'ordinateur habituel, donc je n'ai pas accès à mon dossier. Sinon, j'aurais pu vous montrer un dossier de client pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais en fait, souvent, on voit les gens, quand ils passent des audits Calliope, ils mettent aucun document et ils attendent d'être devant l'auditeur pour aller chercher les documents pendant l'audit. Alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est de préparer les documents dans un dossier. Vous mettez les documents en face. Par exemple, on vous dit critère 1, indicateur 1. Vous créez un dossier critère 1, indicateur 1. Et dedans, vous mettez tous les documents en lien avec ça. Critère 1, indicateur 2. Vous mettez tous les documents en lien avec ça. Et c'est ça qui va vous faire gagner vachement de temps pendant l'audit. Alors ça, c'est intéressant parce que il y a aussi beaucoup de gens donc qui préparent ces documents. Mais n'oubliez pas qu'il y a deux preuves. Il y a la preuve du document utilisé avec le client, signé, complété avec vous. Et il y a la preuve de l'envoi. Et alors ça, on le voit aussi beaucoup, c'est que les gens vont chercher dans leur boîte mail la preuve de l'envoi. Sauf que ben ils passent du temps à aller chercher, et ils retrouvent pas tout le temps le mail tout de suite et ils perdent du temps. Et donc ben tout ce temps que vous perdez, eh bien il va jouer contre vous pendant l'audit. Donc premier ce point-là où vous passez du temps à chercher les preuves d'envoi, vous devriez la veille au moins faire des captures d'écran pour vérifier que vous avez la preuve d'envoi et que vous la mettez dans le dossier. Comme ça, vous passez pas votre temps à aller chercher les preuves d'envoi dans votre durant l'audit. Et vous évitez de vous retrouver coincé à cause du manque de temps. Le deuxième point qui font que ça bloque un audit, c'est que la personne qui est présente devant l'auditeur n'est pas dans l'organigramme. Et alors ça, on le voit de temps en temps. Alors, certains auditeurs comprennent et vous laissent le temps de corriger l'organigramme, même s'il n'y a plus le droit de faire ça normalement. Mais bon, il y a des auditeurs sympas qui comprennent que vous avez fait une erreur et que vous n'avez pas mis tout le monde sur votre organigramme. Mais en fait, vous êtes censé présenter un organigramme avant le début de l'audit, parce qu'il ne commence pas l'audit sans ça. Et ça arrive très régulièrement que la personne qui est en charge de passer l'audit ne figure pas dans l'organigramme. Si bien que l'auditeur n'a pas le droit de faire le point avec elle, et elle n'a pas le droit de faire l'audit avec elle. Ce qui fait que, eh bien, sans cette histoire d'organigramme, votre audit est bloqué. Et ça m'est déjà arrivé de voir, alors particulièrement une personne, hein, on a une auditrice, elle est très à cheval là-dessus. Elle commencera jamais son audit si l'organigramme n'est pas clair. Et elle n'accepte pas qu'on corrige l'organigramme au moment où elle est là. Donc, ça aurait dû être fait avant. Et donc, bah, du coup, on se trouve bloqué, l'auditrice. Elle part, en fait. Et alors, un organigramme. Alors, ça, c'est une très bonne question, Béatrice. Alors, juste, Béatrice, et pour tout le monde,
Sur le principe, je vais essayer de reprendre les questions après mon explication. Mais si vous avez des questions entre-temps et qui sont littéralement en lien avec mon explication, j'y répondrai directement. Donc, pas de souci, Béatrice, je réponds maintenant. Si vous avez des questions en lien avec ce que je suis en train de dire, posez-les, parce que si vous ne les posez pas maintenant et que vous les posez après, peut-être qu'on aura perdu le fil de ce que je suis en train de dire et elles auront moins de contexte. Donc là, la question de Béatrice qui est organigramme et si on est seul, mais en fait, vous allez trouver ça bizarre que je vous dise ça, mais si vous êtes seul, eh bien, vous faites un organigramme où vous êtes à tous les postes, en fait. Et donc, c'est normal. Et sachez que 80% des gens qui ont Calliope sont seuls. Okay, donc, il n'y a aucun problème à être seul. Et vous avez aucune obligation à avoir des salariés. Très important. Donc, si vous êtes seul sur l'organigramme, c'est normal. Et si vous travaillez avec des gens qui vous aident à obtenir Calliope et que ces gens-là sont présents pendant l'audit, vous devez les mettre dans votre organigramme hiérarchique et fonctionnel. Donc, voilà. Et ça, ce problème-là, ça empêche le déclenchement de l'audit. Très important. Alors, ensuite, un autre point. Alors là, je vais rajouter un quatrième point là-dessus. Hop, j'y avais pas pensé. Absence des personnes. Alors ça, c'est un truc qui arrive très, très rarement. Mais en fait, les personnes... Mais c'est déjà arrivé, et c'est arrivé deux fois en deux semaines dernièrement. Les personnes qui devaient passer l'audit sont littéralement absentes. C'est-à-dire que, en fait, l'auditeur s'est présenté. Alors là, c'était les audits qui se déroulaient avec nous. Les auditeurs, l'auditrice s'est présentée. Et très clairement, la personne pour qui on passait l'audit, avec qui on travaillait l'audit, n'était pas là, en fait. Et malgré le fait qu'on l'ait prévenue plein de fois d'être présente, etc., elle l'a oublié qu'elle devait être présente et elle n'est pas venue à l'audit. Et donc, avant, on aurait pu trouver des solutions et aujourd'hui, c'est impossible. Si vous êtes absent pendant l'audit, c'est très con de dire ça, mais ça arrive, et bien l'audit ne peut pas avoir lieu tout bêtement, tout simplement. Et donc, l'auditeur va repartir et vous serez facturé. Alors là, c'est un truc très important. ici, là, sur ce point-là, vous êtes facturé si vous n'êtes pas présent. Si l'audit ne se termine pas, vous allez être facturé. Alors, attendez, je vais faire un truc. Hop. Attendez. En fait, il y a quelques temps, j'ai découvert un petit truc qui me permettait de créer des listes à cocher. Et pourquoi ce coup-ci, il ne va pas me créer une liste à cocher? Ça me permettrait de vous faire gagner en clarté sur la diapo, mais il ne veut pas me permettre de créer une liste à cocher. Bon, c'est pas grave. Donc ici, si la personne est absente, enfin, si l'audit est pas assez long, eh bien, vous devez repayer. Très important. Si l'auditeur arrive et que vous n'êtes pas sur l'organigramme et qu'il y a que vous pour donner l'audit, eh bien, l'auditeur ne commencera pas l'audit et vous devrez repayer. Encore une fois. Et alors, ici, si la personne est absente, mais qu'il y a d'autres personnes disponibles pour passer l'audit, mais qui ne sont pas sur l'organigramme, eh bien, vous devrez payer un audit. Voilà, on est à trois fois où vous devez payer l'audit. Très important. Donc, n'oubliez pas ça. Des fois, ça peut paraître vraiment très con comme justificatif, mais littéralement, c'est ce qu'on a vu. Hein. Clairement. Ensuite, un autre point qui m'est jamais arrivé à moi, que j'ai déjà vu chez plein de clients et qui a failli m'arriver à moi, c'est d'attaquer verbalement l'auditeur. Alors, comment m'expliquer pour que par ma rapport à moi, on n'ait pas le sentiment que j'ai attaqué quelqu'un verbalement, mais par exemple, il y a des auditeurs qui arrivent à prendre sur eux quand vous n'êtes pas en bonne disposition ou quand vous contestez ce qu'ils disent. Alors, il y a plusieurs situations d'attaque verbale. Moi, j'ai les clients qui ont littéralement insulté des auditeurs. Il y a des auditeurs, ils ont le droit de partir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sympa avec eux, si vous êtes con, l'auditeur a toute liberté à décider de partir ou pas. Alors bien sûr qu'il va avoir des comptes à rendre s'il part, ok? Mais il peut partir. Et insulter un auditeur, c'est vraiment la mauvaise idée. Soit il part, et c'est déjà arrivé plein de fois, soit il est dans de très mauvaises dispositions et votre audit va très mal se passer. Je vais vous donner des exemples pour les deux. On a eu un auditeur qui a poussé à bout une de nos clientes parce que il était arrêtait pas de lui dire que ce qu'elle faisait était mal, etc. Mais pour autant, il lui mettait pas de non-conformité.
mais était toujours en train de remettre en question ce qu'elle faisait. De, vous savez, il y a des gens, il y a des, les auditeurs doivent prendre ce qu'on appelle les postures professionnelles. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que de prendre une bonne posture professionnelle. Et donc, du coup, ils prenaient des postures un peu dures. Vous savez, comme la maîtresse d'école qui va vous faire des remarques pour vous dire... vous savez, la maîtresse d'école que vous détestez à l'école. Voilà, bah, voilà. Il y a des auditeurs qui sont comme ça. Et ça, il y en a plein. Et il y en a plus, par contre, d'auditeurs sympas. Il y en a beaucoup plus que d'auditeurs pas sympas. Mais voilà, donc du coup, ces gens-là peuvent vous pousser à bout. Et on a une cliente qui, à un moment, a pété un plomb en fin de journée parce qu'elle n'en pouvait plus de toutes les remarques que lui faisait l'auditeur. Et elle s'est mise à lui gueuler dessus, en fait. Et l'auditeur, il est parti. Et il n'a pas fini son audit. Et donc, il avait le droit. Donc voilà. Et alors, le deuxième point, qu'on a vu avec un client, les auditeurs donc faisaient leur réunion d'entrée avec le client et le client ne comprenait rien à Calliope, malgré tous nos efforts. Le client n'avait pas envie de comprendre Calliope non plus, malgré tous nos efforts. Et il était à l'audit. Et comme il était avec nous et que c'était nous qui devions faire l'audit, mais l'auditeur a décidé quand même de poser 2-3 questions au client, mais des questions bêtes de présentation. Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner, m'expliquer un peu quelle était votre activité? Et qui ont répondu, ben non, monsieur Lozaïk est là, c'est lui qui va répondre pour moi, il est là pour ça. Alors client, l'auditrice qui n'était pas très en forme déjà à la base, était un peu chafouin, et puis elle a posé 2-3 autres questions, et pareil. À chaque question qu'elle posait, eh ben, le client lui redisait, bah non, c'est monsieur Lozé qui va répondre, c'est monsieur Lozé qui va répondre, il est là pour ça. Et il avait raison, j'étais là pour ça. Donc, pour ça qu'il disait à l'auditrice de me consulter moi. Et l'auditrice voulait absolument avoir les réponses du client. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait rien faire. Et donc, elle m'a posé les questions à moi. Et c'est moi qui ai fait la suite et qui ai pris la main. Mais, ce qui s'est passé, c'est que, durant l'audit, alors, comme le client avait rien fait et qu'il avait rien voulu faire, c'était nous qui avons essayé de grappiller tout ce qu'on pouvait et voilà. Et quand vous faites rien pour un audit, malgré tous les efforts que l'on fait, nous, on peut pas inventer certaines choses. Et donc là, il y a des choses qui pouvaient pas être inventées, donc il y avait des non-conformités. Et il y a un moment où l'auditrice a eu le choix de décider que ce qu'elle marquait, ce qu'on lui présentait était non-conformité ou pas, et de décider de quel type de non-conformité c'était. C'est-à-dire, elle avait le choix entre dire qu'il y avait une non-conformité ou pas, en sachant que dans la situation dans laquelle elle était, la non-conformité, donc c'était une preuve de salle. On avait une preuve de salle, mais on savait que cette auditrice-là n'aimait pas cette preuve-là et on savait qu'elle préférait d'autres preuves. Mais cette même preuve de salle-là, tous les autres auditeurs avec qui on avait déjà rencontré acceptaient cette preuve sans problème et ça passait. Il n'y avait que elle qui la refusait. Et donc là, bah, malheureusement, on n'avait que cette preuve-là parce que le client n'avait pas voulu nous donner autre chose. Et donc, eh bien, on a présenté la preuve et l'auditrice... On s'y attendait, elle a refusé la preuve, mais elle avait le choix. Soit elle disait qu'on n'avait pas de preuve du tout, donc elle disait que c'était une non-conformité majeure, soit elle considérait que c'était une non-conformité mineure ponctuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre une non-conformité mineure à cet indicateur, c'est l'indicateur 17. Hop. Indicateur 17. Eh bien, soit elle mettait majeure pour dire que c'était une non-conformité constante que le client faisait tout le temps, soit mineur parce que c'était ponctuel. Bah là, dans la situation, c'était l'unique formation que le client avait donnée. Il avait donné qu'une seule formation, donc c'était ponctuel, évidemment. Mais en fait, l'auditrice a considéré que l'auditrice a considéré que c'était une non-conformité majeure parce qu'elle considérait que le client faisait ça à toutes ses formations. Sauf qu'elle n'en avait donné qu'une, donc il ne pouvait pas considérer ça. Eh bien, le fait d'avoir été désagréable verbalement avec l'auditrice au début. En fait, l'auditrice nous a dit, pendant l'audit, elle a dit, bah, écoutez, j'ai le choix. Et je vais décider, je vais réfléchir à savoir si je mets en mineur ou en majeur. Et si elle mettait en majeur, mon client devait repayer une heure d'audit supplémentaire. Si elle mettait en mineur, mon client n'avait pas repayé une heure d'audit supplémentaire. Bah, le lendemain, on a découvert, je vais pas dire par hasard, mais parce qu'on vérifie quand même, le lendemain matin, elle est partie de chez nous en nous disant, bon, bah, écoutez, je mets en mineur. Et le lendemain matin, elle avait passé cette non-conformité en majeur. Ce qui faisait que mon client doit repayer une heure d'audit en plus. Alors, une heure d'audit, on parle de quelque chose de 200 euros. Et 200 euros, ça peut être beaucoup pour une personne. Et quand on a demandé pourquoi, bah, elle a tout simplement dit que, comme le client n'avait pas été sympa au début, bah, elle n'a pas voulu être sympa et le mettre en mineur. Alors, bien sûr, on a contesté parce que c'est totalement contestable. Mais, si vous voulez, en provoquant un auditeur, vous gagnez rien de bon. Et des fois, vous pouvez contester. C'est contestable, mais des fois, même si vous contestez, rien ne change. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de contester des trucs,
où au final ils ont rien changé. Et alors la manière pour eux de ne rien avoir à changer, même si vous avez raison, c'est simplement de ne pas vous répondre. Et comme ça, tant qu'ils vous répondent pas, ils ont rien à changer. Et vous, si vous voulez que ça avance, ben il faut corriger ce qu'on vous a dit de corriger. Et donc vous vous retrouvez dans un moment où, bon ben tant pis, vous payez le nouvel audit l'heure supplémentaire parce que vous avez besoin que votre dossier avance. Et donc voilà. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vous en voir. Si je peux dire ça comme ça. En sachant que, attention, là je parle de l'auditeur, l'organisme d'audit en lui-même, en soi-même, dans le fond, c'est pas de sa faute en fait. Vous voyez, c'est l'auditeur qui décide. L'organisme d'audit souvent se range derrière l'auditeur parce que c'est lui qui a passé l'audit et donc c'est lui qui avait l'information. Donc c'est aussi pour ça que bah, des fois vous vous retrouvez bloqué. Donc là on vient de voir 4 points de refus Calliope et on va voir d'autres points ensemble. Donc là c'était des points qui étaient liés à l'audit, à la manière dont l'audit se déroule en fait. Et d'ailleurs ça peut être très important que je vous explique un petit truc parce que je viens de me rendre compte que je fais comme si vous étiez au courant, mais ça ne veut pas dire que forcément vous l'étiez. Mais un audit, il se déroule en 3 phases. Hop, voilà, attendez, je vais réorganiser mes petits carrés, comme ça je vais pas avoir à vous retaper la réécriture des 3 phases en direct. Hop, et les 3 phases de l'audit. Voilà, donc première phase de l'audit, voilà, réunion d'ouverture. Deuxième phase de l'audit, c'est présentation des preuves. Et troisième phase de l'audit, réunion de clôture. C'est-à-dire que pendant cette phase, alors dans cette première phase-là, l'auditeur vient et il va se présenter, il va expliquer comment va se dérouler votre audit. Deuxième phase, il va vous demander de prouver que vous avez tous les éléments pour votre audit. Et troisième phase, il va faire une réunion pour vous débriefer de votre audit et vous dire si ça s'est bien passé ou non, et si vous avez Calliope ou pas. D'ailleurs, sachez-le, hein, mais vous le savez tout de suite dans la journée si vous avez Calliope ou pas, parce qu'en fait, l'auditeur va vous dire si c'est conforme et pas conforme. Donc, si tout est conforme, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, je n'ai jamais vu quelqu'un revenir sur une non-conformité. Ok ? Donc, si c'est conforme durant l'audit, c'est que vous avez Calliope. Vous n'avez plus qu'à attendre que tout le processus Calliope se termine pour pouvoir avoir le fameux papier. Okay. Et s'il y a des non-conformités dans l'audit, ben, il faut les corriger après. Et là, c'est très important. Hop, parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et c'est ça qui va faire peur à certains. C'est pour ça que certaines personnes ont peur, on va dire. C'est pas ça qui va faire peur à certains, mais voilà. Une fois que l'audit est terminé, s'il y a des non-conformités, si vous n'avez pas de non-conformités, vous avez Calliope. Okay. Et il suffit d'attendre qu'on vous délivre le diplôme. S'il y a des non-conformités, non-conformités à corriger, eh bien, vous allez tout simplement devoir les transmettre. Alors, chaque organisme a sa manière de fonctionner, chaque organisme a son logiciel, a son outil, peu importe lequel. Eh bien, si vous avez des non-conformités, eh bien, il faudra les corriger pour qu'ils débloquent votre Calliope. Donc, durant l'audit, si malheureusement, on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas grave. Tant que vous n'avez pas plus de 5 non-conformités, eh bien, vous n'avez pas repayé un nouvel audit. Si vous avez plus de 5 non-conformités majeures, vous devez repayer 1 heure ou 2 heures d'audit en plus. Donc là, tant que vous n'êtes pas en dessous, ça pose aucun souci. Et donc là, ce que je viens de vous présenter, ces éléments-là là qu'on vient de voir, c'était plutôt des problèmes qui empêchaient le démarrage de l'audit ou qui, pendant l'audit, faisaient flancher l'audit. Voilà, très important. Et donc là, je vais vous parler des documents. Et donc, ces documents-là, on va plutôt parler de l'intérieur de l'audit. Qu'est-ce qui fait que durant l'audit, il y a des choses qui peuvent très mal se passer? Alors, voici ce qu'on a pu voir chez nos clients et de ce qu'on a pu essayer de prévenir au maximum quand les gens passent l'audit eux-mêmes. Le premier point, c'est d'avoir des documents qui ne sont pas à jour. En fait, c'est vraiment très bête, mais alors, est-ce que vous m'excusez 30 secondes? Je vais tout simplement, en fait, j'aimerais bien vous montrer des exemples. Et pour que je vous montre des exemples, il faudrait que je me connecte sur cet ordinateur à mon espace de travail. Hop, et je vais le faire. Tac, donnez-moi 2 secondes. Hop. Et en plus, comme je me suis fait pirater dernièrement, bien sûr, j'ai mis la triple protection comme il faut, avec un mot de passe qui fait 17 chiffres et des lettres, et qu'il faut que je me retape la bonne écriture. Alors, ça se passe en dehors de l'écran, vous le voyez pas, sachez-le. Donc, je suis en train de taper mon mot de passe à 17 chiffres, en dehors de l'écran, pour pas que vous puissiez
me le copier, mais voilà. Et là, je vais vous montrer de quoi je parle exactement, parce que c'est plus évident de le voir quand on a un exemple sous les yeux. Donnez-moi 2 secondes, parce qu'en fait, comme le mot de passe est très long, je le connais pas par cœur. Et on va y arriver. Tac, tac. Et bien sûr, comme je suis un vieux, enfin, moi, j'ai l'impression de vieillir assez vite, parce que quand on a des enfants, le temps est différent que quand on n'a pas d'enfants. Je vous le dis, pour ceux qui doivent bientôt avoir des enfants, votre temps va se compresser. Tac, hop, bien sûr que, en plus, le mot de passe comprend des majuscules et des minuscules, bien comme il faut, aux endroits avec des chiffres et des lettres qui se ressemblent. Hop, bougez pas. Est-ce que c'est bon? Ah, parfait. Et maintenant, hop, double connexion. Bien sûr, c'est bien de faire ça dans un live, comme ça. Et voilà, donc c'est bon. Alors, je vais prendre un dossier, exemple, tenez, il y a eu un audit ce matin chez nous. Hop, et je vais prendre le dossier de ce client-là. Hop, pour vous montrer. Ça lui fera peut-être un peu de pub en même temps. Alors, Calliope, tac, donc voilà. Là, vous le voyez, donc ça, c'est un dossier client. Quand on le range chez nous, vous voyez, on range ça par critères et indicateurs. Et quand on va dedans, boum, eh ben, il y a des sous-dossiers et voilà, etc. Et donc, quand je vous parle de avoir des éléments qui sont à jour, mais c'est vraiment très con parce que en fait, c'est un truc que les auditeurs ne vous loupent pas là-dessus s'ils sont malveillants. Quoi, ils sont bienveillants, ils ne vous emmerdent pas avec ce genre de truc. Mais vous voyez là, hop, je vais agrandir de 100 fois. Si vous regardez bien, il y a la date de création du document. Et en fait, ils veulent que vous prouviez que vos documents sont à jour et qu'ils sont sur la dernière version et que vous avez mis à jour votre document et que ça prouve que vous avez fait de la veille. Ça prouve plein de choses, en fait, ceci, cette mise à jour. Et donc, là, sur ce document, bah voilà, il y avait une date. Et vos documents doivent être datés. Si vous ne datez pas vos documents, eh bien, ça va quand même foutre un sacré bazar dans vos non-conformités parce que certains auditeurs, et pas tous, ok, vont considérer que comme vous ne présentez pas un document à jour, eh ben, votre document, il n'est pas conforme. Et comment prouver qu'il est à jour? Bah, en notant une date. Ce qui est quand même, en soi-même, très con, hein, de le faire. Mais voilà. Et ça, on le voit quand les gens préparent leur document eux-mêmes. C'est un truc sur lequel, si l'auditeur veut vous casser les pieds, il vous loupera pas. Ensuite, deuxième chose. Ne pas préparer l'ensemble des documents. Alors là, je vais chercher le truc. Elle a fait, alors ça, c'est un truc sur lequel je me bats avec les clients. Je me dis, mais pourquoi les gens, sont entêtés à ce point? Donc, ici, il y a Calliope, il y a un référentiel. Vous lisez ce document, littéralement, vous avez il vous dit exactement ce qu'il attend de vous, en fait, hein, quel document il a besoin, etc. Et donc, là, vous avez la liste de tous les critères et les indicateurs qui composent Calliope, ce que vous devez faire. Et pour une raison totalement inexpliquée, bah, il y a des gens, ils nous disent, ah bah, j'ai pas envie de faire ça. Et alors, on leur dit, c'est-à-dire, parce que vous n'avez pas envie de faire ça, c'est quand même littéralement l'objet de Calliope et la loi en plus au-delà de ça, quoi. Ben non, j'ai pas envie de faire, ça va à l'encontre de la manière dont j'ai envie de travailler. Et donc, en fait, il y a des gens qui refusent de mettre en place des éléments de Calliope. Ou alors, on a souvent ça, c'est, par exemple, ici, critère 1, indicateur 1, la communication. Vous devez communiquer sur des éléments légaux obligatoires. Par exemple, le tarif. Il y a beaucoup de gens qui refusent de faire afficher leur tarif. Alors, vous n'êtes pas obligé d'afficher le tarif. Vous pouvez marquer que c'est sur devis, par exemple. OK? Donc, ou alors les prérequis. Il y a des gens, ils veulent pas mettre de prérequis. Alors que c'est obligatoire par la loi d'avoir des prérequis dans une formation. Mais les gens ne savent pas ça. Mais bon, voilà. En gros, ils nous disent, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Bah, si vous faites pas ça, vous allez avoir une non-conformité. C'est obligatoire. Ah ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que je bosse. Alors du coup, si je suis obligé de le faire, bah, je fais pas Calliope. Et vous voyez, les gens, ils réagissent comme ça. Et alors, vous savez, ça représente à peu près 60% des gens, hein, faut que vous le sachiez. Ou alors, un deuxième truc, je vais vous prendre un truc beaucoup plus obvious. Voilà, alors ici, l'indicateur 4, Calliope vous demande d'analyser le besoin des gens. Et vous pouvez l'analyser de plein de façons différentes. Il y a des gens qui font des appels téléphoniques, qui font un rendez-vous avec leurs clients, ils analysent le besoin avec leurs clients en direct. Et en fait, alors nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir une trace écrite. Parce que si vous n'avez pas de trace écrite, faire des appels téléphoniques sans trace écrite, ça sert à rien. Et donc, on dit aux clients, bah voilà, on fait un petit dossier. Vous voyez, nous, on prépare un petit document comme ça pour nos clients. Ça ressemble un peu à ça. Un petit dossier, tac. Et ce qu'on appelle un dossier candidature. Et dedans, on pose des questions d'analyse de qui est le client, de savoir son niveau de motivation, de c'est quoi son projet, etc. Il y a tout un tas de questions. C'est signé par le client, date, etc. Et là, on a une vraie preuve. Et ben en fait, il y a des gens. Ils refusent, tout simplement,
de garder une preuve de ça ou de faire un document. On dit, mais vous, nous, on vous prépare un document, ben, vous pouvez l'adapter, on peut l'adapter, on peut réduire le nombre de questions, on peut faire plein de choses. Eh bien, en fait, moi, j'ai pas envie de faire ce document, je comprends pas pourquoi je dois le faire. Alors, vous devez le faire parce que c'est littéralement marqué qu'il faut faire une analyse du besoin et en garder la trace. Et il y a des gens qui refusent. Et donc ça, ben, c'est une cause ben, de non-conformité. Alors là, ben, si vous n'avez pas les éléments à jour, à une date, et qu'en plus, vous refusez de préparer des documents, ben, là, vous avez deux non-conformités. Et alors, si, enfin, c'est tout bête, mais hop, voilà, attendez, hop, je m'ai demandé d'actualiser, voilà. Hop, ben, les non-conformités se cumulant, ben, au bout d'avoir trop de non-conformités, eh bien, vous allez perdre votre Calliope. Enfin, vous allez avoir plus de 5 non-conformités, et du coup, il faudra repasser un audit, une heure ou deux heures d'audit en plus. Autre point qui fait que vous foirez votre Calliope, c'est de préparer des éléments hors cadre de la formation professionnelle. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai expliqué que Calliope, ça ne s'intéresse que à la formation professionnelle. Et, en plus, très important à savoir, mais l'auditeur Calliope ne s'intéresse à savoir ce qui s'est passé qu'à partir du moment où vous avez obtenu votre numéro de formateur. Et tout ce qui s'est passé avant votre numéro de déclaration d'activité de formateur, vous vous rappelez, dans notre déroulé ici, je parlais qu'il y avait en première étape le NDA, bah, tout ce qui s'est passé avant ça, toutes les formations que vous avez données avant ça, toutes les formations que vous avez données qui n'étaient pas professionnelles, bah, tout ça, ça n'a rien à voir avec Calliope, en fait. Et donc, ça nous est déjà arrivé de voir une personne qui nous a appelé pour nous demander de l'aide. Parce qu'en fait, elle a eu un refus de ce... ça n'existe pas. Alors attention, très important, si vous m'entendez dire elle a eu un refus de Calliope, ça n'existe pas, le refus de Calliope. Très important. C'est pas un refus de Calliope que vous avez, c'est des non-conformités. Il faudra les corriger. Donc, c'est un abus de langage de dire qu'il y a un refus de Calliope très important. Donc, elle a eu des non-conformités, tout simplement parce qu'en fait, elle a été à son audit de Calliope, elle a présenté des preuves. Par exemple, elle avait un dossier de candidature. Mais en fait, ce dossier de candidature, il avait été fait avant l'obtention du numéro de déclaration d'activité de formateur dans un cadre de formation non professionnelle. Donc, bien sûr que ça allait pas et bien sûr que l'auditeur l'a refusé. C'était évident. Mais en fait, quand on ne comprend pas cette notion, alors, c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est aussi parce que je trouve, moi, par exemple, j'ai une auditrice, je lui dis qu'elle est pas claire avec nos clients. Je dis, vous êtes pas clair, ce que vous venez de dire, c'est pas clair pour le client. Moi, je le comprends parce que je sais très bien de quoi vous parlez, parce que je vous connais, mais les clients vont pas comprendre. Et par exemple, on a une auditrice, elle fait, bon, bah, qu'est-ce que vous faites comme formation? Sans préciser, elle demande à parler uniquement qu'aux formations professionnelles. C'est-à-dire que si elle demande c'est quoi que vous faites comme formation, les clients vont littéralement parler de toute leur activité. Formation, coaching, accompagnement, ils ne vont pas forcément parler que de formation professionnelle. Alors, juste Kenza, je dois vous laisser, mais ma question est, plus ou moins répondu, pour ma certification, je dois présenter la formation que j'ai réalisée sans être certifié. Alors, oui, alors, pour passer votre audit Calliope, Kenza, il vous donne une formation à une personne, il vous présente les éléments que vous avez donnés à cette personne après avoir eu le NDA, donc vous ne pouvez pas prendre un dossier qu'il y a eu avant, après avoir eu le NDA, et vous appliquez tout processus Calliope avec elle. Hop, très important. Voilà pour la réponse à Kenza. Et donc, en fait, comme l'auditrice n'est pas claire, ben, les gens se mettent à parler de plein de trucs, sauf de formation professionnelle, des choses qui n'ont rien à voir avec l'audit, et du coup, ben, ils préparent des choses qui n'ont rien à voir avec l'audit aussi. Et donc, c'est assez complexe. Alors, et c'est aussi une cause de non-conformité. Un quatrième point, c'est ne pas avoir préparé certains documents. Alors, ici, si je fais référence, alors on va reprendre le dossier de notre cher ami Alexander. En fait, il a, donc nous, là, on a un dossier complet avec tout un tas de documents qui sont utilisés avec un client. Et en fait, ça arrive très régulièrement. On a une checklist, ouais, alors, attendez, je vais vous montrer la checklist. Utilisation de mes documents. Et donc, en fait, il y a ici quand et comment doivent être utilisés les documents, dans quel ordre les donner, dans quel ordre les envoyer, etc. Et donc, il y a des fois où ben, il y a des clients, ils font tout, mais ils oublient des docs, en fait. Alors, je vous donne un exemple de ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évaluation. Souvent, c'est un truc que les gens ne font pas, c'est d'avoir une preuve écrite de l'évaluation. Alors, beaucoup de gens font des évaluations à l'oral, beaucoup de gens font plein de d'évaluations différentes, mais là, on demande pour l'audit d'avoir des preuves écrites. Et souvent, ben, les gens n'ont pas les preuves écrites, et ça pose problème pendant les audits.
Et donc, ben, qu'est-ce qu'il manque? Ben, il va manquer des preuves écrites. Ils font bien l'action, mais ils n'ont pas préparé la preuve écrite. Et donc, c'est ça qui les perd pendant l'audit. Donc, oui, vous pouvez respecter Calliope. Oui, vous pouvez faire tout ce que le guide de Calliope ici dit. Mais si vous n'en avez pas la preuve, ben, c'est comme si vous l'aviez pas fait. Et oui, vous pouvez vous énerver sur l'auditeur. Ah non, vous ne pouvez pas vous énerver sur l'auditeur, ça sert à rien de toute façon. Déjà, d'un, et n'oublie pas que si vous énervez sur lui, il part. Mais c'est de votre faute de ne pas avoir de preuve. Et ça, par exemple, ça c'est un truc qui arrive souvent. Je dis n'importe quoi. Oui, bah alors, c'est pas que je dis n'importe quoi, mais le dossier de candidature. Donc nous, on a créé une preuve écrite. Ah, attendez, non, je vais pas prendre le dossier de candidature. Je vais prendre un truc qui est beaucoup plus évident. Enfin, que les gens souvent nous font la remarque que oui, mais je fais ça, mais bah vous avez la preuve. Ah bah non, j'ai pas la preuve. Alors, je vais prendre un truc qui est pas forcément évident pour tout le monde, parce que sinon les gens vont me dire, oh oui, mais c'est évident qu'il faut le faire. Oui, on va prendre, bah, déjà, le critère 1, indicateur 1. Nous, on crée ce qu'on appelle une plaquette de vente où on met toutes les informations légales et obligatoires dessus. Et donc, il y a les, alors, ça n'a pas besoin d'être joli, l'auditeur n'est pas là pour vérifier la qualité de votre mise en page, ok? Et donc, on fait un document où il y a toutes les informations légales dessus. Et, c'est, comment j'allais dire, vous présentez ça à l'auditeur et ça répond à toute la question de l'indicateur 1. Et c'est la preuve que vous avez transmis avant la contractualisation, en pré-contractualisation. C'est des éléments que vous devez prouver les avoir transmis avant. Et en cas de contrôle de la DRET, ça c'est un truc sur lequel on peut vous retirer le NDA. C'est que vous ne prouvez pas que vous avez transmis les documents avant l'achat. Donc voilà. Donc ici, ben, vous prouvez que vous avez réalisé l'action. Donc là, notamment ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent avoir dit tout ça au téléphone au client, mais comme ils n'ont pas la preuve d'avoir dit tout ça au téléphone, eh bien, ils retrouvent lors de l'audit sans preuve de l'indicateur. Donc voilà, c'est un exemple. Ne pas avoir les documents complétés avec un client. Alors ça, c'est extrêmement souvent. Quand vous passez un audit Calliope, eh bien, par exemple, pour pouvoir passer l'audit Calliope, vous devez laisser un commentaire. Vous devez obligatoirement, pour pouvoir passer l'audit Calliope, avoir donné une formation à un client. Peu importe qui est le client, vous devez donner avoir une formation dans laquelle vous avez respecté tout le processus Calliope. Donc, il est demandé de prouver que les gens ont complété les documents qui sont à compléter. Alors, le truc qu'on a régulièrement, où on voit que les gens nous posent problème là-dessus, c'est, par exemple, l'indicateur... Alors, non, je ne vais pas prendre le 11 parce que... Voilà, par exemple, l'indicateur 30 demande à faire signer des tests de satisfaction. Ok, et donc, eh bien, souvent, les gens nous transmettent le test de satisfaction. Il est rempli, mais il n'est pas signé et daté, en fait. Et si vos documents sont signés, mais il n'y a pas de date, vous ne pouvez pas prouver à quel moment il a été signé. Si les documents sont datés, mais pas signés, vous ne pouvez pas prouver que la personne l'a rempli elle-même. Donc, vous retrouvez des documents incomplets. Et des documents qui peuvent pas être utilisés. Et ça arrive très régulièrement, donc il faut bien vérifier que tous les documents sont extrêmement bien remplis jusqu'au bout. Hop, petite alors question de Kenza, parce que Kenza m'a dit qu'elle allait partir, donc j'y réponds vite fait, Kenza. Mais du coup, comment ça se passe si la formation CFA est en cours et que nous n'avons pas encore les documents de fin de formation? Alors, gros coup de chance, Kenza, c'est que pour les formations longues, alors attendez, hop. J'allais vous prendre un exemple de Calliope, mais ça fait référence à plein de endroits dans Calliope. Alors, pour les formations longues qui font plus d'un mois, il y a une règle dans Calliope qui dit que pour passer l'audit, il faut que la formation soit commencée mais pas terminée. Et donc, ben, dans votre cas en CFA, ben, vous devez avoir donné au moins une heure d'accompagnement pédagogique. Voilà. Et donc, c'est tout. Et autre, deuxième question, que ce soit une formation OEF ou CFA, c'est pareil, on est certifié pour les deux. Alors non, il y a un Calliope, alors ouais, c'est des bonnes questions, hein, Kenza. Ça, je veux faire d'autres lives pour expliquer ce point-là. Mais en fait, vous avez un Calliope pour les actions de formation et un Calliope pour les CFA. Ce sont deux Calliope différents, il faut acheter les deux pour pouvoir avoir le droit de faire les deux. Enfin, d'avoir les financements pour les deux. Voilà, c'est ça qui est important.
Ok. Donc voilà, Kenza, je regarde si il n'y a pas eu d'autres questions. Donc après, Béatrice, je vais garder votre question pour après. Et voilà. Autre point. Donc, dites-moi s'il y a des trucs que je dis que c'est pas clair, hein, parce que des fois j'ai l'impression d'être super clair moi-même parce que je maîtrise de dont on parle, mais en fait peut-être que je ne suis pas clair du tout pour vous parce que vous ne connaissez pas ou vous comprenez pas. Mais j'essaie d'avoir les exemples les plus propres possibles. Autre point, problème de date. Alors, ça c'est un truc qui arrive régulièrement. Je vous montre un exemple ici, mais là, dans l'exemple que je vais vous montrer, j'ai pas de problème de date avec ce client-là, parce que sinon, il n'aurait pas pu avoir Calliope. Mais, pour que vous compreniez, Calliope, c'est un processus. OK? Hop, je vais retrouver. Voilà, c'est un processus. Vous voyez ici, on a un document qui s'appelle utilisation et remise des documents. C'est dans l'ordre dans lequel vous devez transmettre les documents à vos clients. C'est l'ordre légal que vous devez suivre pour donner, enfin, que s'utilise Calliope. Alors, ça ne s'utilise pas Calliope. En fait, Calliope est là juste pour vérifier que vous respectez le droit. Le droit vous demande d'envoyer des documents dans un certain timing. Calliope n'est là que pour prouver que vous le faites. Donc, en fait, il y a des documents envoyés dans un certain ordre. Et, gros coup de chance pour vous, Calliope est bien fait parce que l'ordre des indicateurs Calliope est littéralement l'ordre dans lequel vous devez envoyer les documents. OK? C'est l'ordre exact dans lequel vous devez envoyer les documents. Et donc, il y a des documents qui doivent être envoyés avant d'autres. Et vous devez prouver que vous avez envoyé des documents. On est d'accord? Donc, par exemple, si vous envoyez la convention de formation en premier et que vous n'êtes pas capable d'avoir prouvé que vous avez envoyé la plaquette de vente avant et que vous envoyez la plaquette de vente après, vous n'êtes pas dans l'ordre de Calliope. Alors, vous allez me dire, mais comment il sait? Ben, si vous envoyez ces documents, il y a une preuve que vous devez apporter à Calliope, c'est de les avoir. La preuve la plus simple, c'est de les avoir envoyés par mail. Et alors, ben, vous devez avoir une capture d'écran de vous ayant envoyé ce document par mail. Et donc là, on voit la date. Et donc, si on a des dates, ouais, la date 26 juillet, les documents ont été bien envoyés avant. Là, on voit, il y a des documents en pièce jointe. Et là, il y a la plaquette de vente. Et la plaquette de vente a bien été envoyée en premier avant l'envoi de la convention. Et donc, c'est comme ça qu'on prouve. Et donc, souvent, mais alors c'est très régulièrement, les gens respectent pas Calliope parce qu'ils envoient les documents dans le désordre. Donc, soit ils envoient pas les documents tout court. Alors, ça arrive, ça, c'est un truc qui arrive souvent. Alors, excusez-moi, je vais me faire mal au cou, à la gorge. Et, Donc, souvent, bah, les gens, ils ont la preuve d'avoir envoyé la convocation, mais ils ont oublié d'envoyer la plaquette de vente. Et donc, ils envoient la plaquette de vente après. Et quand on leur demande la preuve des envois, ils nous envoient une plaquette, la preuve de l'envoi de la plaquette de vente, ils l'ont bien envoyée, mais après. Et ils pensent que, simplement en prenant une capture d'écran où on ne voit pas la date d'envoi, alors là, c'est un truc régulier. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils me prennent une capture d'écran comme ça. Bah, je dis non, ils me font une capture d'écran avec la date. Et là, les gens me disent, oui, mais la date est pas bonne. Ah bah, ça va poser problème, donc il faut redonner une autre formation dans ce cas-là. À quelqu'un d'autre. Mais il faut une capture d'écran où on voit la date et où on voit les documents qui sont envoyés. OK? Sinon, ça marche pas. Et donc, bah là, c'est là le problème de date. C'est le problème de date des preuves. Si vous envoyez des documents dans le désordre, que vous n'envoyez pas au bon moment, au bon timing. Alors attention, Calliope n'est pas là pour vérifier le timing. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer 15 jours avant, 3 jours avant, etc. Là, vous êtes obligé de l'envoyer avant. Ça peut être envoyé avant, une journée avant. Calliope n'est pas là pour vérifier le timing. Il est là pour vérifier que vous les avez bien envoyés avant l'un après l'autre, en fait. OK? Et ça, si vous ne respectez pas les dates, ça pose un problème pendant Calliope. Ça arrive très régulièrement. Alors, par contre, oui. Alors, Shadouk, j'ai bien vu la question. Vous inquiétez pas. Alors, j'y ai répondu déjà au début, mais j'y répondrai après. Vous inquiétez pas, il y a une session question-réponse. Béatrice, la plaquette de vente égale catalogue de formation. Alors, oui et non. Il y a des gens qui appellent ça catalogue de formation, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, nous, on l'appelle plaquette de vente parce que c'est notre acronyme qu'on utilise en interne, mais c'est simplement qu'il y a des informations légales obligatoires à transmettre qui sont obligatoires, non pas pour Calliope, parce que alors Calliope les réclame. En fait, Calliope les réclame pas, Calliope est là pour vérifier que vous le faites. Ça, c'est obligatoire par le droit du travail. Là, c'est un truc, si vous ne le faites pas pour Calliope, vous ne le faites pas pour la DRET, vous perdez votre NDA. C'est littéralement une obligation. Et donc, ben, vous devez communiquer sur certains ensembles d'informations. Donc,
Oui, vous pouvez avoir une plaquette de vente. Oui, vous pouvez avoir un catalogue de formation. Oui, ça peut répondre. Et mais si vous n'avez pas toutes les informations, ça n'y répond pas. Par exemple, l'autre jour, on a passé l'audit pour une personne. On lui a transmis une plaquette de vente. Puis elle nous renvoie une plaquette de vente. Elle me dit, oui, mais c'est bon, j'ai déjà une plaquette de vente. J'ai prouvé que je l'avais envoyée. Vous êtes sûr? Alors, du coup, on regarde sa plaquette de vente. C'est une plaquette qu'elle avait faite. Il n'y avait littéralement aucun item de Calliope dedans. Alors, on lui a dit, bah non, ça ne convient pas. Il faut que vous utilisiez au minimum la nôtre. Peu importe, l'auditeur n'est pas là pour valider la mise en forme. En fait, il est juste là pour valider les informations. Et en fait, la cliente refusait de rajouter plus d'informations sur sa plaquette de vente. Alors, je comprends. Elle avait payé un graphiste. Ça lui avait coûté cher de créer la plaquette de vente. Elle ne voulait pas la modifier. Et voilà, bah, du coup, soit vous vous payez, soit vous perdez, vous avez pas votre Calliope. Et ça, c'est hyper important. Donc, plaquette de vente, oui, Béatrice, ça égale au catalogue de formation dès le moment où il y a tout le contenu de ce que vous demande Calliope. Et alors, autre question d'Alain, qui va très bien. On envoie en même temps les documents. Alors, Alain, oui, il y a des documents qui peuvent être envoyés en même temps. Vous voyez, là, par exemple, il y a 3 documents qu'on vous dit d'envoyer en même temps. Il y a d'autres documents que vous pouvez envoyer dans le même mail. Il y a plusieurs documents qui peuvent être envoyés en même temps, faits en même temps, il n'y a pas de souci. Et très important, il y a plusieurs documents qui peuvent être regroupés en un seul. Nous, actuellement, par exemple, nous, on a pris le parti actuel à l'instant T, à date. Ça se trouve, si vous regardez un replay, ça ne va plus être le cas. Mais en tout cas, à date, nous, on a décidé de séparer la plaquette de vente, le dossier de candidature et le test de positionnement, qui sont 3 critères Calliope. Et c'est différent. Et la plaquette de vente répond à plusieurs indicateurs. Le dossier de candidature répond à plusieurs indicateurs. Et le test de positionnement aussi. Mais, en discutant avec les auditeurs, et puis bah, par nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'en fait, ces 3 documents, on pouvait les réunir dans un seul. Vous pouvez tout à fait faire un dossier de candidature avec dedans une plaquette de vente et un test de positionnement pour votre dossier. Et ça n'en fait qu'un document et vous n'avez qu'un document à envoyer. Donc oui, Alain, ça répond totalement. Vous pouvez envoyer tout en même temps et vous pouvez regrouper des documents. Il y a des documents qui sont regroupables. Par exemple, la convocation et livret d'accueil, boum, vous pouvez faire tout en même temps. Les supports de cours, boum, ça arrive très régulièrement que les clients mettent dans leur support de cours les évaluations en même temps. Enfin voilà, c'est totalement, totalement pour répondre à la question. Et donc, je reviens donc sur cette histoire de problème de date. On est d'accord, on a fait tout cela là. Je vais les barrer parce que sinon, on va se perdre. Et dernier point sur les problèmes liés aux documents, c'est de ne pas avoir de preuve d'envoi. En fait, bon, même si je l'ai répété plein de fois parce que non, vous connaissez, mais j'aurais pas dû anticiper autant, il faut que vous gardiez les preuves d'envoi de tous les documents. Et si vous ne gardez pas les preuves d'envoi, vous êtes foutus. Et là, on a un très bon exemple d'Alexander qui a fait une capture d'écran de son envoi par mail. Alors, les gens me disent, oui, mais c'est mon voisin. Donc, j'ai remis en main propre. Eh bien, dans ce cas-là, il faut avoir la preuve de remise en main propre. OK? Et alors, c'est quoi une preuve de remise en main propre? Soit, alors, j'ai une cliente qui a fait ça. Attendez, comment elle s'appelle? On a plein de clients et on a plein d'audits tous les jours. Tac, tac, tac. Je vais essayer de retrouver le nom. Seconde. Attendez, je suis tac. Tac. Ben alors, pourquoi il ne duplique pas ma diapo? Mon onglet. Alors, c'était pas Juliette. Alors, excusez-moi, j'essaie de regrouper dans ma tête les derniers audits et je vais pas retrouver et ça va me faire perdre du temps, donc je vais continuer. Mais en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre la plaquette de vente et noter dessus un endroit, le client signe et marque remis en main propre le telle date et il signe. Et voilà, vous avez une preuve de remise en main propre. Il faut que ce soit noté par le client et signé par le client avec la date de remise en main propre dessus. Donc, et là, ça fait office de preuve d'envoi. Mais, attention, pour tout bon juriste qui se connaît, pour qu'on ne remette pas en question cette preuve de remise en main propre, vraiment, envoyez tous vos documents par mail, même si vous l'envoyez à votre voisin. On a une cliente, elle avait littéralement donné une formation à la personne qui était dans le même coworking qu'elle. C'était littéralement son voisin. Ben, en fait, on lui a demandé les preuves d'envoi par mail. Et même si elle nous a insulté, littéralement, parce qu'elle comprenait pas pourquoi on insistait. C'est pas que pour nous, ni que pour l'audit Calliope, mais c'est aussi pour la DRET. La DRET, qui vous donne, l'organisme qui vous donne le NDA. Ben, cet organisme-là, il vient de vous contrôler de temps en temps, et si vous avez de la chance, vous tombez sur un auditeur sympa, un contrôleur sympa, et des contrôleurs sympas et moins sympas, c'est comme dans tous les métiers, vous avez un garagiste sympa et un garagiste pas sympa, on s'en fout s'il est sympa ou pas, ça n'a rien à voir avec la DRET en lui-même, c'est l'être humain. Mais en fait, ben, si vous n'avez pas cette preuve
d'envoi autre que signature en remise en main propre, il pourrait considérer que ça n'a pas été remis en main propre et que c'est vous qui l'avez rajouté et pour faire croire que vous l'aviez fait. Donc, la preuve d'envoi par mail, boum, irréfutable. Voilà, très important. Donc, voilà. Alors, les deux derniers, j'avais dit qu'il y en avait 10, mais vous avez remarqué qu'il y en a plus. On est déjà à 4 ici. Ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est déjà à 11 et 12. Et donc, 11, 12 et 13. Donc, 13 problèmes sur 10 que j'avais annoncé au départ. Mais il y en a un peu plus, en fait, en vrai. Mais c'est vraiment les plus importants. Le premier problème qu'on voit avec les gens, c'est qu'ils ne savent pas quoi montrer à l'auditeur. Et alors, sachez que l'auditeur, il a l'interdiction, littéralement, l'interdiction de vous dire qu'est-ce qu'il a besoin de voir, en fait. Et donc, il y a des auditeurs sympas. Et alors, oui, je le dis. Oui, certains auditeurs vont se reconnaître. Il y a des auditeurs sympas qui, en chuchotant, arrivent à vous aiguiller. Et c'est des auditeurs super sympas et ces gens-là vont se reconnaître. Puis, il y a des auditeurs qui sont normaux et qui respectent la loi. C'est pas qu'ils sont pas sympas, c'est juste que ces gens-là sont dans la règle. Et en fait, eh bien la règle c'est qu'ils n'ont pas le droit de vous dire quoi montrer. Et si vous savez pas quoi montrer, bah du coup vous avez une non-conformité. Et donc comment ça arrive? Comment on peut ne pas savoir quoi montrer? Bah déjà parce que vous avez fait tout vous-même et que vous connaissez pas ce que vous avez fait et que vous avez pas fait tous les documents. Et surtout vous comprenez pas le référentiel. Et par exemple l'indicateur 1, vous pensez que votre catalogue de vente suffit. Et vous n'avez pas vu que dans les petites lignes ici, là, vous voyez là, il y a marqué qu'il faut le créer requis, l'objectif, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas dans votre catalogue de vente. Eh bien, vous n'avez pas fait. Et l'auditeur va vous dire, ah bah oui, ok, je vois que vous avez votre catalogue, je note, ok, c'est très bien, maintenant, montrez-moi le reste. Et puis là, vous n'allez pas comprendre que vous n'avez pas tout mis dans votre catalogue. Et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir montrer le reste à l'auditeur, malheureusement. Et comme l'auditeur, il n'a pas le droit de vous dire ce qu'il attend, eh bien, vous vous retrouvez bloqué. Et donc, il vous mettra une non-conformité parce qu'il a littéralement interdiction de vous dire quoi mettre. Et alors, vous allez dire, bah oui, mais s'il me dit quoi mettre et que c'est pas dans le catalogue, et je peux le rajouter. Bah, en fait, non, vous avez interdiction durant l'audit de corriger. Alors, vous pouvez corriger, mais ce sera quand même marqué en non-conformité. Mais voilà, alors il y a des auditeurs sympas qui, des fois, vont fumer une clope et qui reviennent et qui vont vous dire, ah oui, est-ce que vous avez retrouvé? Là, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de corriger. Mais vous avez le droit de retrouver les trucs que vous n'aviez pas trouvé. Donc ça, faut bien faire la distinction entre la correction durant l'audit et le fait de ne pas avoir trouvé une chose et de le retrouver après. Donc souvent, ne dites pas que vous n'avez pas fait une chose. C'est une astuce. Ne dites pas que vous n'avez pas fait une chose. Dites simplement que vous ne savez pas où elle est et qu'il vous faut un petit peu de temps pour le trouver. Okay? Donc ne pas savoir quoi montrer à l'auditeur, ça vous fait une non-conformité parce que vous ne présentez pas ce qu'il attend. Et donc, comme il n'a pas ce qu'il attend, il ne peut pas dire que c'est conforme, même si, malgré ce que vous pensez, ce que vous avez donné, vous pensez que c'est bon, mais en fait, non, c'est pas bon. Et alors, le dernier point, c'est de donner des informations erronées à l'auditeur. Alors là, ça m'est arrivé la semaine dernière. Un client. Alors, je vais dire un truc. Je suis noir. Ça se voit peut-être pas à cause de la lumière. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est sombre. Mais ce sera réglé pour un prochain live. Mais ça se voit peut-être pas, mais je suis bronzé. Je suis brésilien. Et on avait un client. Il était plus bronzé que moi. Et il venait d'un autre pays. Et puis, il parlait pas très bien le français. Je peux me permettre de le dire, vu que voilà. Et en fait, l'auditrice, qui était une personne qui, en plus... alors, le client parlait pas bien français, donc il le comprenait très mal. L'auditrice expliquait très mal parce qu'elle considérait que le client devait être au courant des choses. Eh bien, on a retrouvé un moment où l'auditrice a posé une question à un client. Le client l'a mal compris et il a répondu totalement à côté. Et l'auditrice, qui respectait son droit de comprendre ce qu'elle avait envie de comprendre et de rester sur ce qu'elle avait envie de compris, elle a le droit de décider ça, bah, comme elle s'est rendue compte que le client avait mal répondu. Nous, on lui a dit que le client avait mal répondu. On lui a présenté toutes les preuves pour prouver que le client avait mal répondu. Mais le client a répondu à l'oral et donc elle a décidé de considérer que ce qu'il avait dit était la vraie chose malgré toutes les preuves qu'on lui présentait à l'inverse. Et malgré le fait que le client lui-même dise qu'il n'avait pas compris, l'auditrice est restée sur ce qu'il avait dit en premier à l'oral et elle a mis fin à l'audit. Parce que le client avait donné une information erronée à l'auditeur. Alors, vous allez peut-être me dire, une formation erronée, qu'est-ce qui peut faire rendre l'audit inexploitable, hein? C'est parce que c'était une histoire de lieu de formation.
parce qu'il y a des conditions qui font que plus ou moins des audits peuvent avoir lieu dans certaines conditions à tel endroit, etc. Et là, elle avait posé une question de lieu de formation, et le client avait répondu totalement à compter parce qu'il avait rien compris, et donc ce qui rendait impossible de faire l'audit à l'endroit où elle était. Et donc, on devait repositionner l'audit à un autre endroit. Et donc, du coup, elle a annulé l'audit pour ça, alors que, voilà, c'est le client avait mal compris. Donc, faites très attention à ce que l'auditeur vous demande. Si vous parlez pas bien français, demandez à quelqu'un qui parle super bien français d'être là et de vous traduire ou de vous réexpliquer avant de répondre. Parce que certains auditeurs sont très pointilleux. D'autres sont très sympas parce qu'ils comprennent que vous vous êtes trompé. Et d'autres ne comprendront pas que vous êtes trompé et donc vous mettront la faute sur votre dos. Et donc, voilà. Donc, c'était ça, les éléments où vous devez absolument prendre en compte pour votre audit, pour pouvoir vous assurer de le réussir du premier coup. Et là, c'était vraiment les erreurs qu'on a vues dernièrement. On peut faire tout ce qu'il faut des fois pour éviter que ces erreurs arrivent, mais des fois, les auditeurs arrivent à se faufiler sur des trucs malgré tout. Et donc, vous pouvez avoir ces erreurs qui apparaissent. Alors, maintenant qu'on a vu ces 10 questions Calliope, je sais que vous avez plein de questions. On va partir directement sur les questions que vous m'avez posées auxquelles j'ai pas répondu. Ok. Et on va le faire maintenant. Et je vais voir si je peux copier-coller les questions directement dans le du chat pour voir si je peux et il semblerait pas que je puisse copier-coller, donc je crois que je peux l'afficher par contre sur l'écran. Voilà, la question s'affiche ici, donc on va faire ça comme ça. Ok, question de Kenza. Ah là oui, depuis le 1er septembre 2023 la réglementation a changé. Est-ce qu'il faut avoir déjà effectué une formation pour être certifié Calliope, ou les chiffres de vos documents sont prévisionnels pour l'année à venir? Alors, pour aujourd'hui suivre un audit Calliope, vous devez avoir donné une formation qui doit être terminée pour le jour de l'audit si la formation fait moins de 30 jours. Très important. Il faut que la formation fasse moins de 30 jours. Si la formation fait plus de 30 jours, donc plus d'un mois, étalée sur plus d'un mois. Alors, attention, parce que c'est cette histoire de 30 jours, je vais plutôt utiliser une autre formulation. Si la formation est étalée sur plus d'un mois, la formation doit être commencée, mais elle n'a pas besoin d'être terminée. OK? Et ça, c'est hyper important. La formation doit être commencée, mais elle n'a pas besoin d'être terminée si elle fait plus d'un mois. Donc, mais voilà, vous devez avoir donné une formation. Alors, sachez que Calliope n'est pas là pour vérifier la loi. Donc, bien, vous donnez cette formation à qui vous voulez. Et voilà, en fait. Hop. Autre question de Kenza, c'était des questions qu'elle a posées avant de partir. Ok, donc si je comprends bien, preuve de l'envoi, donc il faut avoir déjà effectué une formation. Alors oui, du coup Kenza, il faut avoir déjà effectué une formation, et du coup, en effectuant cette formation, vous allez prouver que vous avez appliqué Calliope. Par exemple ici, on a la personne qui a donné une formation à quelqu'un, et donc il a la preuve qu'il a envoyé les documents avant le début de la formation, et donc bah, du coup, c'était bon. Et donc, preuve d'envoi. Hop, je vais reprendre les autres questions. J'avais déjà répondu à Béatrice, mais elle était, enfin, beaucoup de gens ont peut-être pu ne pas voir cette réponse-là. Il y a un critère Calliope qui parle de mettre en avant en organigramme. Si on est seul, bah, vous êtes tout seul dans l'organigramme. Je vous présente juste comment ça se passe. Hein. Nous, on a un document qu'on a appelé, hop, document obligatoire, fiche de poste, bilan, livret d'accueil. Donc nous, on a créé un livret d'accueil. Il y a plein d'informations dans ce livret d'accueil. On a littéralement regroupé plein de documents dans ce document-là. Et on a un passage où il y a un organigramme qui est présenté. Alors, hop, vu que j'ai pas ouvert sur le même ordinateur, bien sûr que ça fait sauter la mise en forme. Ici, donc, l'organigramme, voilà, il était tout seul. Eh bien, il y avait son nom et son prénom sur tous les postes, littéralement. Et donc, bah voilà, il est tout seul et il a quand même créé un organigramme. Très important. Hop. Hop. Autre question de Maxime Bilal. Peut-on obtenir Calliope si je lance mon centre de formation sans avoir eu d'élèves auparavant? Alors, vous pouvez... Alors, Maxime, en fait, vous pouvez pas obtenir Calliope sans avoir signé un élève dans un premier temps. En fait, vous pouvez pas obtenir le NDA si vous n'avez pas un client. Le client, il peut avoir suivi la formation et l'avoir terminée, ou vous pouvez l'avoir signé le devis. En fait, dès le moment où vous signez un devis ou une convention de formation, en fait, ou un contrat de formation, vous pouvez obtenir un numéro de déclaration d'activité même si la formation n'a pas encore débuté. Par contre, pour pouvoir passer Calliope, vous devez avoir une formation qui doit être terminée pour pouvoir donner, suivre Calliope, pour pouvoir passer l'audit Calliope. Donc, à partir de ce moment-là,
il suffit de tout simplement de donner une formation à quelqu'un. Cette formation n'est pas obligée d'être la même que pour le NDA. Ça peut être une formation différente. Et Calliope n'est pas là pour juger si vous avez donné la formation à la bonne personne ou pas. Quel est le coût de l'audit de surveillance pour un premier accédant à Calliope? Alors déjà, l'audit de surveillance, il a lieu au bout de 14 à 22 mois. Okay. Donc, le coût va dépendre de plusieurs facteurs qui vont être en lien par rapport à votre chiffre d'affaires. Et donc, ce coût va varier. Donc, je ne sais pas, et vous ne savez pas, combien dans 14 à 22 mois, quel va être votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez un petit chiffre d'affaires, ça peut être 500 €, comme ça peut être 800 €, ou ça peut être 1 500 €. Enfin, ça va dépendre. En fait, c'est sur devis. Et donc, les organismes vous font le devis et puis vous le saurez. Alors, vous allez peut-être me dire aujourd'hui, oui, mais là, je paye Calliope, ça me coûte 1 000 €. Je sais pas, j'invente 1 500 €. Et puis, là, vous me dites qu'après, je devrais ressortir 1 000 € encore. Mais en fait, vous allez ressortir 1 000 € dans 14 à 22 mois. Si dans 14 à 22 mois, vous pouvez pas sortir 1 000 €, bah, arrêtez Calliope parce que ça veut dire que ça vous a servi à rien. Hop, voilà. J'espère que ça répond à vos questions, Maxime. Autre question. Si nous sommes une société de conseil de 50 salariés, mais que nous sommes uniquement à 3 à gérer la formation sur l'organigramme, il doit figurer que les 3 personnes concernées, alors, c'est une, Iman, c'est une très bonne question. Alors, la réponse va dépendre de l'auditeur que vous aurez en face. En fait, en tout cas, moi, je sais que certains auditeurs vont vous demander d'avoir tout le monde sur l'organigramme, et d'autres vont vous demander de voir que le pôle formation. Et donc, nous, il y a des 99% des auditeurs nous demandent de voir que l'espace de qui gère la formation professionnelle chez vous. Parce qu'en fait, le Calliope ne s'intéressant qu'à la formation professionnelle, ils veulent voir que votre organisation liée avec la formation professionnelle. Alors, maintenant, si je vous réponds ça, attention, Iman, parce que je ne sais pas avec quel certificateur vous pouvez passer, quel est l'auditeur et comment il a été formé. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir des auditeurs qui considèrent que tout le monde donne dans l'organigramme. Et alors, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un organigramme juste pour l'aspect formation et faire une branche autre activité, vous mettez tous les noms de tous les autres, et comme on sait que c'est rien à voir avec la formation, bah voilà, ça permettra de séparer. Mais c'est vrai que nous, à date, à l'instant T, sur la pratique, aujourd'hui, on ne met que les gens qui sont en lien avec le pôle formation. Hop, autre question, Sidali. Est-ce que le temps de 3 mois a évolué ou changé ou pas pour faire la certification, la rectification de certification de l'audit et de corriger les éléments de non-conformité majeure ou mineure? Alors, donc ce que Sidali parle, c'est que quand vous avez passé votre audit et que lors de l'audit, il y a eu des non-conformités, ben en fait, vous avez 3 mois pour les corriger. Et donc, ça vous laisse largement le temps de les corriger. Et si vous n'avez pas corrigé pendant les 3 mois, eh bien, vous devrez repasser un audit Calliope. Et si vous les corrigez avant les 3 mois, ben c'est bon, vous serez validé pour Calliope. Autre question. Kenza, je dois présenter la formation que j'ai réalisée sans être certifié. Alors oui, Kenza était partie, mais j'avais déjà répondu à ça, mais je la reprends parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là, et je vais la reprendre très vite parce que je sais que vous êtes pressé. Vous passez l'audit Calliope, vous le passez avec une formation dans laquelle vous avez appliqué Calliope, même sans être certifié. Et le fait de l'avoir appliqué, c'est ce qui compte. Et autre question de Kenza que j'ai répondu, mais que je réponds vite fait parce que je suis dans le flow des questions. Comment ça se passe si la formation CFA est en cours? Alors, comme c'est une formation longue, bien vous n'avez prouvé que vous avez donné que la première heure ou qu'une heure, qu'une journée d'accompagnement pédagogique, mais d'échange pédagogique. Et c'est uniquement ça qui vous permet de lancer votre Calliope et qui vous avez que ça à prouver pendant l'audit. Donc, par exemple, tout ce qui est des documents liés à la fin d'une formation, alors qu'elle est, par exemple, il y a des critères qui sont liés à la fin de la formation, le critère 7 et les indicateurs 31 à 32, ça, vous n'avez pas à les prouver vu que la formation n'est pas terminée. Donc, c'est totalement normal et c'est prévu. Autre question de Béatrice. Peux-tu passer la certification si on n'a formé qu'un seul client? Oui, totalement. En fait, il faut un seul client pour pouvoir passer Calliope. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de gens dans la formation. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein de formateurs. Ça peut être que vous. Il n'y a pas de règle de quantité pour pouvoir passer l'audit Calliope. Voilà. Hop. Autre question, John Mayer. Est-ce qu'il est possible de prêter Calliope à une société ou déléguer la certification ou la sous-traiter? Alors, il y a plusieurs notions dans ce que vous venez de dire, John. Alors, est-ce qu'il est possible de prêter à quelqu'un d'autre? Non, vous ne prêtez pas. En fait, ce que vous faites, c'est de faire sous-traiter une formation. Quelqu'un, en fait, par exemple, imaginez quelqu'un vient vous voir, dit, j'ai une formation à donner, mais j'ai pas de Calliope, est-ce que tu peux me prêter ton Calliope? En fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne, vous allez encaisser vous-même la formation et vous allez sous-traiter cette formation à cette autre personne. Mais pour que vous puissiez sous-traiter la formation à une autre personne, cette autre personne doit au moins, au minimum, avoir un numéro de déclaration d'activité de formateur.
Il n'est pas obligé d'avoir Calliope, mais il doit avoir un numéro déclarant d'activité de formateur. Donc là, premier point. Donc on ne prête pas Calliope, on sous-traite une action de formation. Déléguer. Alors déléguer dans la gestion ou sous-traiter la gestion de son Calliope, bah, vous pouvez le faire totalement, c'est totalement autorisé. Et c'est deux notions différentes, attention. La notion de sous-traiter une formation à quelqu'un et la notion de sous-traiter ou déléguer la gestion de Calliope à une autre personne, c'est deux notions différentes. Hein. On est d'accord, John. Shadouk. J'ai contacté trois organismes pour un audit Calliope en parallèle de l'obtention du NDA. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende le NDA. Connais-tu un organisme qui accepterait de le faire en amont? Alors, oui. Pourquoi ils vous ont refusé? C'est déjà très important de vous expliquer ça, Shadouk. Déjà, vous avez le droit d'obtenir Calliope sans avoir encore obtenu le NDA. C'est totalement prévu par la loi. Okay, la raison pour laquelle les gens vous ont refusé, je ne sais pas s'ils vous ont donné la raison. Nous, on peut faire votre Calliope. Nous, on le fait pour certaines personnes quand on sait qu'ils vont avoir le NDA parce qu'on sait qu'ils sont capables d'obtenir le NDA facilement. Mais pour les gens dont on ne sait pas s'ils vont avoir le NDA, on va leur recommander, c'est une recommandation, d'attendre d'avoir le NDA pour avoir le Calliope et de faire Calliope. Parce que imaginez que vous passez Calliope, mais que vous avez un refus de NDA et que vous n'arrivez pas à obtenir le NDA pour une raison X ou Y, parce qu'on découvre par exemple que vous avez un casier judiciaire et qu'on ne savait pas, que vous ne l'aviez pas dit au début et que ça vous bloque pour obtenir le NDA, eh bien, vous aurez payé, fait Calliope, fait toutes les démarches pour rien. Et donc, comme vous avez payé Calliope, fait toutes les démarches pour rien, eh bien, du coup, vous pourriez ne pas être content. Et donc, c'est pour ça que les gens évitent de faire passer Calliope sans le NDA à cause de ça. Et nous, on a déjà eu deux clients qui nous ont forcés à faire l'audit hyper rapidement sans le NDA et qui se sont retrouvés à ne pas... Il y en a un qui a abandonné le fait d'obtenir le NDA, donc il avait payé Calliope pour rien, et un autre qui, en fait, déjà, on avait du mal à faire son Calliope parce qu'il répondait à aucun mail. Et quand on a réussi à obtenir son Calliope, eh bien, il répondait à aucun mail pour son NDA. Et donc, du coup, ben, ça fait un an et là, il va perdre son Calliope parce qu'il a toujours pas passé son NDA. Uniquement parce qu'il nous répond à aucun mail. Donc voilà, c'est pour ça, Shadou, sûrement les gens vous disent d'attendre. Parce que vous auriez payé Calliope pour rien. Donc c'est pour ça que c'est très important. Béatrice, plaquette de vente égale catalogue de formation. On a vu ça tout à l'heure. On envoie tous les documents en même temps à Alain. On a vu ça. OK, pack. Autre question d'Iman. Alors, posez vos questions, parce que une fois que j'aurai fait toutes les questions, après, je raccroche et je vous libère. Le règlement intérieur de l'organisme et les CGV doivent être envoyés en même temps que la plaquette ou la convention. Alors, Iman, nous, on met tout dans le même document et on le met partout. Le règlement intérieur, les CGV, on la met aussi bien dans la plaquette de vente, conditions générales de vente, et on rajoute même la partie sur le RGPD. Et on met tout, et on met aussi bien dans le plaquette de vente que dans le livret d'accueil, que sur les conventions de formation, on le met partout, parce qu'on ne sait jamais. Au moins, plus vous prouverez que vous avez transmis, et plus ce sera difficile pour prouver que vous ne l'avez pas transmis. Voilà. Donc, et puis des fois, il y a des gens de mauvaise foi, et il vaut mieux vous protéger aussi bien des contrôles de Calliope que des contrôles de l'adresse, que des gens de mauvaise foi, et vous en avez vraiment littéralement plein. Déjà de mauvaise foi. Pour passer Calliope sur une seule formation, session, et un seul stagiaire suffit pour valider le process. Bah, bien sûr, Alain, du coup. En fait, vous présentez une seule session de formation avec n'importe qui. En fait, Calliope n'est pas là pour juger votre client, littéralement. En fait, ils s'en foutent, eux, du qui est le client. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le meilleur client de l'année. Vous cherchez un client, vous donnez une formation, et voilà. Et vous pouvez passer Calliope. Autre question, peux-tu passer Calliope en 15 jours? Techniquement, oui, vous pouvez passer Calliope en 15 jours. Pourquoi? Alors, c'est tout con, mais ça s'appelle de l'ingénierie. Quand vous passez Calliope, alors, on va reprendre le petit schéma ici. Donc, on part du principe que vous avez un NDA. Et en fait, pour pouvoir passer l'audit Calliope, ben, il faut avoir une date d'audit. Premier point. Donc, quand vous voulez passer Calliope, ben, si vous êtes ultra pressé, parce que on recommande ça que quand les gens sont ultra pressés, parce que on l'a remarqué que quand vous avez Calliope en 3-4 jours, c'est possible aussi. On fait des Calliope en 3-4 jours, c'est pas un souci. On peut avoir des dates d'audit en 3-4 jours. Mais nous, on est tranquille. Ça nous stresse pas de passer un Calliope en 3-4 jours. Mais on a remarqué que les gens, passer un Calliope en 3-4 jours, passer un Calliope en 15 jours, ça les stresse tellement qu'ils partent en vrille. Et donc, oui, on peut passer un Calliope en 15 jours. Oui, c'est toujours possible de le faire. Il suffit d'avoir une date d'audit dans 15 jours et entre aujourd'hui et la date, ben, de préparer les documents. Les documents, il y en a littéralement qu'une quinzaine obligatoires et le reste, c'est que du superflu. Parce que bon, si on regarde, hop, l'utilisation des remises des documents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 14. Celui-là, si vous êtes salarié, ouais, on va dire 15, 16. Voilà, il y a 16 documents en fait. Donc, ben, préparer 16 documents, je suis désolé, mais 15 jours, c'est largement suffisant. Enfin, nous, on le prépare en une demi-heure. Donc, oui, vous passez Calliope en 15 jours. Aujourd'hui, vous décrochez le téléphone, vous appelez un certificateur, vous lui demandez une date d'audit dans 15 jours. Et vous avez 15 jours pour préparer 16 documents et avoir la preuve que vous avez envoyé ces 16 documents à quelqu'un et d'avoir donné votre formation dans les 15 jours. Et ça, si vous avez une formation qui dure une journée ou deux, ça passe. Une formation qui dure une heure, vous pouvez donner une formation d'une heure à quelqu'un et c'est valable pour Calliope. Calliope n'est pas là pour juger votre formation, n'est pas là pour juger le délai, de votre formation, le temps de votre formation. Il est juste là pour vérifier que vous avez appliqué la démarche Calliope. C'est très important. Combien de temps à minima doit durer cette première formation? Ben, à minima, Maxime, elle peut durer. Alors, il n'y a pas de règle. En fait, littéralement pas de règle. Donc, j'ai envie de dire une heure minima, parce qu'une formation de moins de 10 minutes, enfin de 10 minutes, ça marche pas. Mais une formation d'une heure, ça passe. Donc voilà, au minimum. Hop. Alors, tu n'as pas répondu. Les mois ont changé ou pas? Non, c'est toujours 3 mois pour corriger l'audit. Si. Hop. Pour le plan de développement des compétences, dois-je inclure notre formatrice sous-traitante? Doit-il concerner uniquement le pôle formation? Alors, Iman, pour donner un contexte aux gens, le plan de développement des compétences, c'est l'indicateur 22 de critère 5. Et ça, c'est quand vous avez des salariés. C'est un uniquement pour le pôle salarié en interne chez vous. Ça n'inclut pas les sous-traitants. Et ça, c'est quand vous faites un audit dans lequel vous n'êtes pas considéré comme nouvel entrant. Okay? Parce que si vous êtes considéré comme nouvel entrant, ce point-là n'est pas à faire. Et alors, dernière question d'Alain, parce que après, je n'ai plus d'autres questions, semble-t-il. Donc, si vous avez des questions, posez-les, parce que sinon, vous n'aurez pas de réponse. Alain, en fait, il faut faire une formation pour avoir le NDA, puis refaire une deuxième formation, suivant le process Calliope, pour avoir la certification. Alors, totalement, Alain, c'est, comment dirais-je, un processus simple comme ça. Oui, vous donnez une formation pour le NDA et vous donnez une autre formation pour le Calliope. Alors, attention, Alain. Alors, je vous dis oui, mais non. Aussi, dans un autre sens, pourquoi tout simplement ne pas appliquer Calliope avec la formation du NDA? Parce que bon, autant tout faire en même temps et hop, ça servira pour la même occasion. Donc, donner une formation pour le NDA, à moins que la formation que vous avez utilisée pour le NDA commence après l'audit Calliope, donc il vous faut une autre formation à passer avant le début de l'audit Calliope. Voilà, très important. À partir de là, ça pourrait marcher comme ça. Donc, voilà Alain, j'espère que ça t'aura aidé et que ça répond à ta question. Et je vois que vous n'avez plus d'autres questions. Donc, vous savez, j'avais dit que ça durait 1 heure, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais juste vous dire 2 choses. Hop, comment avoir accès au replay de cette vidéo, parce que j'ai donné beaucoup d'informations et que je parle super vite et que vous n'avez pas eu le temps de rester. Eh bien, vous avez tout simplement le replay de la vidéo qui va se retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, sur notre chaîne Formateur Pro. Vous pourrez retrouver le replay de cette vidéo. Alors attendez, tac, je me connecte. Ah ben voilà, vous voyez, je suis en live ici. Cette vidéo live sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube en tapant Formateur Pro, ok. Hop. Et où vous la retrouverez sur notre page Facebook, vous la retrouverez également sur notre compte Instagram. Vous retrouvez le replay littéralement sur tous nos réseaux sociaux, puisqu'on a diffusé en live sur tous les réseaux sociaux. Très important. Autre point, hop, je descends ici. Je n'ai jamais gardé la diapo parce que ça permet d'avoir une direction. Donc voilà, accès au replay, idéalement sur YouTube, c'est plus simple. Et alors, pour toutes les personnes qui ont encore des questions, des questions des personnes qui veulent se faire accompagner parce qu'ils disent, bah, au final, avec tout ce que j'ai vu là aujourd'hui, je préfère que Leandro s'en occupe pour moi, vous pouvez tout simplement aller sur la page formateur pro, formateur-pro.fr/formule-calliope. Vous allez sur cette page, hop, je vais le mettre en commentaire là. Je ne sais pas si ça permet que tout le monde le voit. Alors tiens, je vais mettre aussi en lien la chaîne YouTube pour les gens qui pourraient y avoir besoin. Tac, hop, hop, voilà. Donc, j'ai mis en commentaire. C'est marrant parce que donc ça s'affiche, ça va s'afficher. Si vous êtes sur les différents réseaux sociaux, ça s'affichera. Donc, j'ai mis en lien. Le premier lien, c'est le lien où vous pouvez prendre rendez-vous avec mon équipe de consultants Calliope. Alors, est-ce que ça vaut le coup pour prendre le rendez-vous? Oui. Parce qu'en fait, mon équipe va prendre le temps de voir votre situation, de valider avec vous si vous pouvez obtenir Calliope ou pas, dans quelles conditions, comment le faire, est-ce que votre projet est bon, viable ou pas. Beaucoup de gens qui demandent si c'est viable ou pas. Et en fonction de ce que vous voulez faire, alors Béatrice qui demande
combien pour ton accompagnement? Bah, en fait, Béatrice, notre accompagnement commence à 400 euros si vous faites tout toute seule et que vous voulez que les documents, et ça peut monter en fonction de toutes les prestations que vous voulez qu'on fasse pour vous, parce qu'on a un escalier de prestations qui va de l'obtention du numéro de NDA jusqu'à la certification RS ou RNCP. Donc ça va, c'est un très grand bond, parce qu'en fait, hop, vous voyez ici, on a toute cette échelle là déjà que je vous ai présentée. Hop, ici Béatrice. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes que je vous ai présentées, mais en fait au total il y en a 9. Et donc ça dépend de ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Et ça dépend si vous voulez que ce soit nous qui le fassions, si vous avez juste besoin d'une supervision, si vous avez besoin d'aucune supervision mais uniquement que des documents et des vidéos qui vous montrent comment faire tout seul. Voilà, ça dépend que de vous. Donc en fait, ça commence à partir de 497 €. Et ensuite, ben, en fait, ça va dépendre de comment vous voulez travailler avec nous. Et puis ben, l'équipe vous fera un devis, tout simplement. Et il suffira pour vous de dire si le devis vous convient ou pas, ou de vous dire, bah non, ça me convient pas, je préfère faire ci ou comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vous font un premier devis, ils nous demandent des corrections, il n'y a pas de souci. On travaille sur devis et vous validez bien sûr un devis. Donc vous savez exactement combien ça va vous coûter avant tout. Ok. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien, vous le remets dans le chat et on sera là en tout cas pour vous répondre à toutes vos questions et ça va vous permettre de bien débloquer votre Calliope, parce qu'il y a des gens, ça fait des mois qu'ils sont en attente et qui osent pas avancer, et nous on avance un peu, j'ai envie de dire comme un train, on s'arrête pas, on va tout le temps, et on sera tout le temps là pour vous rappeler, pour vous relancer. Si on voit que vous répondez pas, on vous relance jusqu'à avoir les choses. Si on voit qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous, on va les faire pour vous, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour vous, des choses qu'il y a que vous qui pouvez faire. Donc on va être derrière vous pour vous dire, tiens, il nous faut cette information là, allez la chercher, il y a que vous qui pouvez nous la donner, il y a que vous qui pouvez la trouver. Enfin, voilà, on est là, on vous guide, on vous dit comment faire, on est derrière vous, on vous soutient, on vous apporte tout ce qu'il faut pour que vous puissiez obtenir Calliope le plus rapidement possible. Si c'est urgent, on trouve des dates d'urgence. Là, on était avec une auditrice tout à l'heure. Elle nous a débloqué des nouvelles dates d'audit pour avoir des dates d'audit encore plus proches, parce qu'on était quand même, on est très full en date d'audit avec les auditeurs avec lesquels on travaille. Et donc voilà, on peut vraiment, littéralement, soulever des montagnes. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et en attendant, j'ai envie de vous dire que je vous retrouverai dans un prochain live. Et je serai très heureux de pouvoir répondre à vos autres questions. Je suis en train de réfléchir au prochain thème déjà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer des mails, à nous contacter sur les réseaux sociaux, à faire des commentaires sur les vidéos pour nous poser des questions et que vous voudriez qu'on aborde, et les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans les prochains lives. Très important. Si vous ne posez pas de questions, ben bien sûr, vous n'aurez pas de réponse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Je vous dis à très vite. Alors attendez, hop, bougez pas. Je vais juste retirer, je vais juste afficher ma tête. Et voilà, donc comme on a à peu près 30 secondes d'écart, moi je vais couper le live dans quelques instants et je serai déjà parti au moment où vous verrez que j'aurai coupé le live. Mais en tout cas, sachez que j'ai été très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui et que vous avez été vraiment au top. Et n'hésitez pas à vous connecter au prochain live. J'aurai d'autres éléments pour vous former sur Calliope, obtenir tout ça et apprendre à gérer votre centre de formation et à le développer. À très bientôt. Au revoir.